Yahoo Dimancha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Je pense que tu as compris qu'on était le 25 décembre, vu ma tenue, quoique je serais capable de mettre ça n'importe quel jour. Bref, toujours est-il, nous sommes le 25 décembre, c'est le calendrier de l'après, et donc on va ouvrir la case d'aujourd'hui qui est énorme. Oui, il faut que je fasse gaffe parce que... Voilà, elle n'a pas du tout une forme normale et je sais pas du tout ce qu'il peut avoir dedans. Il y a un truc mou. Il y a une boîte. Oh, trop bien! Ah, je sais! Je les ai vus. Alors, pour ceux que ça peut intéresser, je les ai vus à Leclerc. Alors, je sais que c'était cher, donc ça a dû être acheté aussi. On marque en ce moment, il y a... Enfin, en ce moment, il y a 2-3 jours encore, il y avait les promos Leclerc moins 50% sur les jouets, donc ça a peut-être été acheté comme ça. Bref, on s'en fout de toute façon. C'est une petite figurine de Stitch... de Itachi. Voilà. J'essaie juste de montrer d'abord la boîte. Donc, on peut avoir Naruto... Pourquoi ça ne veut pas faire focus? Naruto, Sasuke, Kakashi, Itachi et Gaara. Ok, il n'y a même pas Sakura, sympa pour elle. Bref. J'avais vu aussi qu'il y avait du Demon Slayer, mais il n'y avait que les personnages secondaires. Ah merde, la fille aux cheveux roses et verts, le gars au serpent, etc. Bref, donc voilà à peu près à quoi ressemble la figurine. Voilà, on va l'ouvrir ensemble, il n'y a pas de... Ah si, du scotch, oh mince. Et oui, j'ai enlevé le scotch parce que j'ai utilisé pour faire mes cadeaux l'autre jour. Oh mince. Je vais chercher. Je reviens. Donc, me revoilà. Et j'ai pas pris mon ciseau, mais j'ai pris mon magnifique petit cutter qui est trop mignon. Voilà. Et l'avantage, c'est que du coup, il se replie tout seul. Voilà. Ça évite de faire des bêtises et de se couper potentiellement. Ah bah il n'y en avait qu'un, ok, c'est pas comme les... Ok. Par contre 14€ pour ça je suis désolée, mais vraiment c'est de l'abus. Vraiment, vraiment. Parce que 14€ c'est une Funko Pop les gars, à un moment donné, faut juste être réaliste. Hein. Ah ok, ouais. Oh je déteste ce genre de figurine. Bon, c'est pas grave, mais moi personnellement je déteste ce genre de figurine. Où t'as un socle et t'as un truc qui tient la figurine transparent. C'est ce genre de petit truc là. Je sais pas si tu... Oui, voilà. Ça c'est vraiment quelque chose que je déteste parce que ça tient jamais ce genre de choses. J'ai cru que ça l'avait cassé, tu vois, pour te dire. Bref, je n'y arrive pas, je vais laisser tomber parce que sinon on y est encore demain. C'est dommage, donc personnellement je n'achèterai pas les autres, même s'il y avait des personnages que j'aime comme dans Demon Slayer qui pourraient avoir potentiellement Nezuko ou quoi que ce soit, je ne les achèterai jamais parce que très clairement ça c'est quelque chose qui a le don de vraiment m'énerver. Voilà. C'est dommage, ça partait d'une bonne intention, hein, ça je le sais, mais... On continue avec... Plein de trucs. Essaye de savoir en fait combien il y a de trucs sans... Un truc à bulles, j'ai vu il y a peu un spectacle de bulles et ça m'a donné envie du coup d'en avoir un et la personne a acheté. Bon bah je pense que vous n'avez pas besoin de démonstration, c'est bon, vous savez ce que c'est qu'un truc à bulles. Ensuite, non, j'ai rien vu. Je tiens à préciser, j'ai rien vu. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Je pense que c'est vu à ma tête que je n'ai pas tout compris. Pardon, je ne vous ai pas montré, mais je pense que vous captez. Ce sont des masques visage de la marque Nature et République. Voilà, des masques asiatiques. Donc il y en a un, je pense que c'est miel. On a aloe vera. Green tea. Ok.
après camomille, je dirais. Camomille. Concombre. Orange, je suppose. Orange. Et rose. Ouais, rose. Ok. Bon, bah, très très hâte de les tester. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 masques. Donc, au cas où, pour ceux que ça peut intéresser, ça coûte 2,80€. Et je suppose que ça a dû être acheté à Chifoutan. Je ne sais pas du tout le prononcer, mais bref. Voyez, c'est Popo Mart à la rue Saint-Rémy, en fait. Voilà. Bon, je ne sais pas pourquoi j'ai dit Chifoutan, alors que ça, c'est le nom du bubble tea qui est avec eux. Mais la boutique, c'est Popo Mart. Et ensuite, j'espère. Manga, je sais qu'on est le 25, mais quand même, il y a 3 mangas. Oh. Ok, à la bouquinerie plus pour les 3. Ok, c'est Blue Box, le manga du coup de et basket et badminton. Voilà. J'ai présenté le tome 1 avant sa sortie, quelques jours avant sa sortie, parce que je l'avais lu en numérique. 5,50€ au lieu de 7,29€. Voilà, voilà. Très, très, très content. Donc, cette première partie de vidéo est terminée. Je te retrouve logiquement demain. Je pense que on n'a rien prévu, donc je te retrouverai demain pour la suite, du coup, de cette vidéo. Donc, nous sommes le 29 décembre, nous sommes sur la partie 2 et la dernière partie de cette vidéo. Pourquoi? Tout simplement parce que depuis le 25, je suis malade, je suis plus nauséeuse qu'autre chose, donc je n'ai pas le coco, j'ai fait un test même aujourd'hui, et c'est vraiment nauséeux et tout ça, comme mon papa, sauf que papa, je crois qu'il a, on va dire, sorti, voilà. Mais toujours est-il... Bah, je suis pas bien, donc ça m'a gonflé. Le fait que tout ce mois, en fait, pour l'ouverture du calendrier de l'Avent, ça a été merdique, ça a été foiré de ouf, etc. Ça m'a tellement énervé que bah, tout à l'heure, là, il y a 5 minutes, j'ai tout ouvert. Ouais, je sais, on n'est que le samedi et il reste encore, mais j'étais à merde. Voilà. Donc, je vais te montrer tout ça, tout ce qui est resté. Donc, j'ai eu un manga. En admettant que YouTube accepte ça, voilà. Pink album de Shindo L, dans le genre surnaturel, roleplay, Fela, rayon X et recueil. Voilà. Donc lui, il était en 9. Attends, on va potentiellement censurer parce que... On ne sait pas jusqu'où YouTube est capable d'aller au niveau du casse-bonbon. Ensuite, j'ai eu le tome 3 du manga Le Tigre des Neiges. Donc, Le Tigre des Neiges est un manga, du coup, que j'ai commencé. J'ai lu le tome 1 il y a 2 ans. Donc là, il a été trouvé à 9€ au lieu de 13. 4€ d'économie, c'est toujours ça. Et sinon, faut aussi que je refasse ma carte pour la bibliothèque, pour emprunter sur la bibliothèque de Bordeaux, étant donné que je l'ai faite l'an dernier en septembre ou fin août, je ne sais plus trop, que c'est une carte qui se renouvelle tous les ans et que je ne l'ai toujours pas renouvelée. Et que dans l'année 2022 à 2023, l'année scolaire, je ne l'ai pas utilisée. J'y suis jamais allée. Voilà. Bref. On continue, après j'ai eu donc 4 tomes de Shido, et tomes 10, 11, 12 et 14, non t'inquiète pas, j'ai le 13. Je viens de revérifier mais j'ai bien le 13 et j'ai même le 15 et 16, donc du coup je crois qu'il est pas tard, il va pas tarder à terminer ou il est terminé, et donc je vais pouvoir me faire plaisir sur la lecture, voilà. Et ensuite, on continue et termine avec Jagan. J'ai eu les tomes 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. À savoir que Jagan, j'avais commencé à lire une première fois. Le tome 1, j'ai bien aimé. Je m'étais dit, ah, faudra t'achète et tout ça. Puis, pour cet automne, je me suis dit, allez, tu vas lire la série. J'ai lu le tome 1 et 2. J'ai adoré en format numérique. Et... je suis pas allée plus loin parce que j'avais pas le temps finalement pour lire cette série, elle était trop longue, donc
Voilà. Donc là, moi, j'ai une excuse et je pourrais défoncer la série et puis ça m'aura coûté moins cher. Au moment de la... même où je serai en train de la lire, ça me coûtera moins cher de devoir tout sortir au niveau argent parce que je crois qu'elle est terminée en 19 tomes, un truc comme ça, dans ces eaux-là. Et bah, j'ai déjà les 6 premiers. C'est pas négligeable. Donc c'est tout en ce qui concerne cette vidéo bien catastrophique du calendrier de l'après. Je suis vraiment désolée pour cette année parce que ça a été vraiment bordélique au possible. J'ai pas du tout pensé à m'organiser par rapport au manga et au fait que j'habitais aussi sur Bordeaux. Donc l'an prochain, ça sera parfait, ne t'inquiète pas. C'est déjà prêt et tout ça. Il y a même au niveau des calendriers, j'ai trouvé comment je ferai, etc. Donc voilà. Si, n'hésite pas du coup en commentaire à me dire si l'an prochain on rajoute de la nourriture asiatique, si on rajoute potentiellement de la K-beauty ou pas du tout. Voilà, n'hésite pas à t'exprimer, oui, non, bof, moyen, juste, mais attention, pas plus de, par exemple, tant de cases sur 31 jours, parce qu'après ça ferait trop, ou des trucs comme ça. Voilà, vas-y, exprime-toi. Il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de mauvaise réponse, il n'y a pas de mauvais commentaires, etc. À part ceux qui ne respectent pas les gens. Sinon, il n'y a pas de mauvais commentaires. Je te mets une vidéo en recommandation, une autre ici, ma tête de panda, les réseaux sociaux, etc. Et bah, voilà, je t'invite bien entendu à aller voir les précédentes vidéos que tu n'aurais potentiellement pas vues. Parce qu'il y a des surprises qui se cachent potentiellement un peu partout. Voilà, sur ce, à bientôt!